Hey, je suis de retour pour plus de Shadow of the Colossus. Et vu que j'avais pas montré la fin, je n'ai pas vraiment expliqué. Ça veut dire que j'ai pas expliqué que quand on complète le jeu, on a un nouveau mode de jeu qui est New Game Hard Mode. Mode difficile, dans le fond, c'est la même chose que mode normal, sauf que c'est difficile. Et que dans le fond, les Colossiens te frappent plus fort et que leurs points faibles, disons, qu'ils sont, ils n'ont plus. Ils sont à différents endroits. Ou je pense qu'il y en a qui ont les mêmes points faibles, c'est juste qu'ils ont plus de vie. Mais en tout cas, change pas grand-chose. Je ne le montrerai pas. Le mode hard. Et aussi, quand on complète le jeu, on a un petit 2 à côté de notre save file qui permet de reloader ça, c'est ça qu'on va faire, et de faire le time attack, c'est-à-dire se battre contre le temps. Fesser tout ce qu'on voit sur place. Oh, je vois mon reflet dans la TV. Bonjour! En espérant qu'on n'entend plus le bzzz avec mon nouveau micro et qui ressemble. Et oh, je veux pas regarder le début, on l'a déjà vu le début. Surtout que je parlais pas pendant ce début-là. J'ai failli m'endormir en plus. Allez, gars! On n'a pas parlé au mur. Oh my god! Ah, pas toi. On en revoit notre cheval. Et non, je ne parlerai pas de la fin parce que pour les raisons que j'ai déjà dit. Bon, mon petit cheval, il est revenu. Fait que pour faire un time trial, je sais pas s'il faut qu'on mette nos mains, qu'on prenne nos mains en dégâts, faut aller prier. Oh non. C'est-tu le premier colossal, ça? Parce que j'essaie de les faire en ordre. Non, c'est le deuxième. Premier colossal est ici! Yay! Et on prie en faisant comme si ce serait un save. Fait qu'il faut que je le tue en 2 minutes 30 pour réussir le time attack. Qu'est-ce que ça fait quand on le réussit en 2 minutes 30? Ça fait qu'on l'a réussi. Je pense que si on en réussit 3, on a un item. Il nous donne un item. En tout cas, je vais tout vous expliquer ça tantôt. Faut que je regarde mon temps parce que j'aurai pas le temps de tout enregistrer ça tout de suite. Faut que j'arrête. Entre-temps! Me rapproche de mon micro. Mais qu'est-ce que j'allais dire à propos de mon micro? C'est garçon, mais à l'œil dans Super Mario 64, ce qu'il faut qu'on tourne autour. Fait que là, j'ai le goût de me lever debout puis de tourner autour, ce que je pourrais faire. On ne regarde pas le début de tout ça, vu qu'il faut faire ça vite, 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 vite. On a juste 12 minutes. Non, en fait, on a en masse de temps. On peut faire des erreurs. C'est pas être parfait pour réussir le time attack. Pour ce colossal-là, pour le premier, parce qu'il y a d'autres colossales qu'il faut vraiment être pro. Mais c'est plus dans le mode difficile qu'il faut être pro. Parce que dans le mode normal, c'est juste un petit peu. Faut. Tu peux faire des erreurs, mais pas trop. Faut pas que tu. Comme moi, j'en ai fait beaucoup dans certains colossales quand j'ai joué. Mais faut juste pas que t'en fasses autant. T'es pas obligé d'être extrêmement pressé. Ah ouais, est-ce qu'il tombe? Je sais pas s'il tombe. Je sais pas si on est supposé de voir la scène. La réponse a été répondue parce que j'ai pu monter. Yay! Fait que. On l'a déjà vu. Mais je sais pas comment je vais faire ça, est-ce que je vais skipper, je sais pas pourquoi mon personnage veut pas s'accrocher en ce moment. Bonjour, je pense que je suis buggé là, et ça commence très bien, et oh, 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 quand il me reste plus de stamina, il recommence, fait que fuck that, je m'en vais à terre, et on va voir si, au pire, si on réussit pas, on peut faire 8 rides, comme ça. Pis si on pense qu'on n'est pas bien parti, comme moi j'étais pas bien parti là, mon personnage était buggé dans ça, parce qu'il s'est relevé, faut croire que ça marche pas quand il s'est relevé trop vite. Fait que, on va reprendre ça, mais je vais couper les... Si, ça dépend comment que ça marche, là je le couperai pas vraiment, cette partie-là, vu que j'explique des choses. Et la seule raison pourquoi je le fais, c'est pour qu'il s'arrête puis qu'il se tourne, ce qui me donne un petit peu plus de... Ce qui me donne moins de temps, plus de temps pour monter dessus, ça donne du sens. Oui, parce que sinon il s'en irait vers là-bas, puis après ça il se tourne quand t'es rendu là-bas. Mais les gars, il faut bien. Aussi les pros qui font des speedruns de Shadow of the Colossus. Bien. Oh mon salaud. Ils savent contrôler les animations pour tout le kit. Fait que moi je sais pas comment contrôler ça. Fait que blâmez-moi pas, si je suis pourri. Je vais la refaire juste pour être safe. Tiens. Parfait, ok, faut la revoir. J'étais pas sûr s'ils nous montraient encore les scènes. Mais oui, ils nous les remontent. Fait que c'est bien. C'est pour ça que j'étais pas sûr s'il était tombé. C'est pour ça que j'ai pas réussi à m'accrocher comme du monde tantôt. Non, faut pas aller dans sa craque de fesses. C'est un endroit démoniaque et je vois absolument rien avec toute la poussière que dans ma face. Oui. Et il me reste 100 masses de temps pour monter sur sa tête et de le tuer. Yes, j'ai hâte de te tuer, petit bonhomme, petit péré. Et c'est le plus facile colossal à faire dans le time trial. En fait, c'est même pas vrai, je pense. Il y en a. Ils sont pas mal toutes faciles. Le troisième colossal, c'est un des plus durs à faire dans le time trial.
Parce que, en tout cas, vous allez le voir pourquoi je vais le faire à un moment donné. Il me reste 1 minute 17 pour enlever ça de vie. Fait que je pense qu'on va l'avoir en masse. Comme je l'ai dit, il donne en masse de temps, surtout quand tu fais pas trop d'erreurs. Ça va assez bien. Tiens, on a réussi notre premier colossal et ça prend pas beaucoup de temps, 1 minute quelques. Je vais pouvoir même me fier à ce temps-là. Il faut pas que je me tourne la tête avec ce micro-là. Il sait pas. Il faut juste être une bonne distance. Si je commence à parler même, vous m'entendez plus fort. Mais la dernière fois que j'ai fait la vidéo de Freedom Online, j'avais oublié de monter mon son. Fait que c'était un petit peu faible. Et supposément, là, ça va être un petit peu moins faible. Parce que c'est quand même faible le son de départ pour ce petite affaire-là. Mais je peux le monter. Je vais essayer de le monter au max. Et quand on finit, ça fait ça de même. Ça de même. On se fait pas violer. Espérons que non. Il a pas encore vécu ça, notre personnage. Il a pas encore fait violer. Ah! Shadow of the Colossus. On voit des ronds qui tournent et qui tournent. Ah non, non, non. Ça me rappelle qu'il faut que je tourne autour de mon micro pour le tuer. Ok, fait qu'on a réussi. Et si on a repris, ça vient de répondre à ma question de l'arme. Il nous montre un petit crochet dessus. Yeah! Ce qui fait que je suis très... Ah, ça va paraître quand que je me tourne. Je sais pas si ça paraît. J'ai pas assez testé mon micro encore, mais j'ai pas le temps. Il me reste environ 40 minutes pour faire tout ça. Fait que là, c'est le deuxième colossal qu'il faut qu'on tue. Qui nous donne plus de temps pour le faire que le premier. 4 minutes, beaucoup plus de temps que le premier à faire. Puis il dure quasiment aussi longtemps que le premier. Fait que, très facile. Il y en a qui sont extrêmement faciles. Le temps, ils sont pas... quand tu sais comment faire, ils sont toujours plus faciles, les colossales. Malgré que moi, j'étais supposé savoir comment faire. Puis j'ai l'air stupide quand même. Mais c'est pas grave, ça. Je sais que je vais beaucoup rusher avec certains deux autres. Fait que, lui, il faut qu'il nous écrase, si on s'en rappelle bien. Fait que moi, je tire les flèches tout le temps, pour aucune raison. Écrase-moi, s'il te plaît. Oh, notre cheval est là. J'imagine qu'il nous laisse juste pour être safe, parce qu'il pense qu'on va l'avoir. Ah ouais, j'attends. J'attends que tu montes. T'es lent. Oh non, il monte pas, il fait quoi? What the fuck? T'es-tu sous, maudit salaud? Ah, ça me fait perdre du temps, là. Mais je pense que je vais en avoir assez. Si j'en ai pas assez de temps, ben, je coupe ici. Ok, mais si j'en ai assez, ben, je coupe pas ici. Malgré que si je fais des choses bizarres, c'est plus que je coupe pas. Fait que... vous êtes pas spoilé, je sais pas quand je vais couper. Non, ah, il va tourner en rond. Oh, je pense qu'il ment. Oh. Go! Yes! Tombe, mon salaud! Tombe vite, faut que j'en charge pour notre épée. Sinon, on va pas avoir l'air stupide. Et la seule raison pourquoi je veux pas faire le mode difficile, c'est parce que si je fais le mode difficile, il faudrait que je fasse le mode... dans le fond, si je fais le mode difficile, ce serait juste les time attacks que je faisais. Mais ça me tente pas de faire les time attacks de difficile parce que ils sont durs! Très dur, j'ai... Ah ouais, ah non, on fait pas encore ça, ok, merci. Monte sur le champignon et saute. Ils sont extrêmement durs, puis je suis pas pro dans Shadow of the Colossus, comme vous avez pu voir. Oh my... Oh! Ah! Oui! Ah! Arrête de shake in mine. Tu vois bien que ça me fait pas plaisir. Ah, ok, tiens, ça a très bien été, ça, ce garrochage de poils-là. Et je sais pas comment de colossal que je fais par vidéo, je pense que je dirais pas de bye-bye ou de hey, même que je viens de le faire. Ok, on a plus à recharger. Ah, c'est parce qu'il y a deux points faibles, c'est vrai, je l'oublie tout le temps, les maudits points faibles. Je l'ai fait, ça fait pas si longtemps que ça pourtant. Malgré que ça fait quand même assez longtemps. Arrête de bouger! J'aime pas ça quand tu bouges. Tiens, ça doit faire mal à recevoir un coup d'épée de dedans. En force comme si une abeille piquerait le cul. Mais imagine une abeille qui pique sur une plaie ouverte. Ouh, ça doit pas être trop plaisant. Est-ce qu'une abeille pourrait te tuer en te piquant? Oui, probablement, il y a du monde qui meurt à cause de ça, mais c'est principalement parce qu'ils sont allergiques. Ah, ça doit être tellement pas fun d'être allergique à des abeilles. Tu gonfles si tu te fais piquer. Si t'es juste pas chanceux à un moment donné. Je plains n'importe qui sont allergiques à quelque chose. Moi, je suis allergique à je sais pas trop quoi, mais je sais que des fois, je chume pas rien. Puis que mon nez devient rouge pas rien dans une journée. C'est pas une grippe, c'est juste pas rien. Mais allez, je suis allergique à je sais pas trop quoi. Et pourquoi je parle des allergies tout d'un coup? Parce que le monstre est allergique aux épées dans sa tête. Mais c'est parce que son épée est spéciale, c'est pour ça qu'on peut tuer les colossales. Bon, je sais, je suis pas trop stupide. On a en masse de temps pour le finir. Il reste 1 minute 18 pour le finir. Finishing blow. Finishing, vous allez pouvoir comparer vos temps avec les miens. Ils vont être sûrement meilleurs que les miens. Yeah. Mais les gars, après ça, c'est avec le troisième colossal. Ah, c'est lui. C'est dans les pires colossales à faire un time attack contre. Oh non, j'ai tellement pas out. En tout cas, on va essayer ma stratégie. J'ai oublié d'aller voir une stratégie avant, mais ma stratégie que j'essayais, on va voir si ça marche quand il est mort. J'ai chargé un petit peu trop longtemps pour rien, ça m'aurait sauvé du temps. Je m'en fous un petit peu du temps. Est-ce qu'on peut skipper sa mort?
Je veux pas te voir mourir une autre fois. Combien de temps? Tant que ça fait pas une vidéo encore. Fait que je pense que ça va être une moyenne de 3 colossales par vidéo. Malgré que là, c'est les plus rapides que je fais. Fait que, malgré que j'ai commencé au début, là, c'est pas grand, les gars, on verra qu'est-ce que ça donne. Et on attend de se faire pogner par le... Les violeurs. C'est leur nom. De maintenant, c'est comme ça que je les appelle. C'est les esclaves du plafond. C'est le plafond qui aime ça nous a regardé se faire violer. C'était ça la fin. Le plafond nous a regardé nous faire violer. Puis on a tout découvert où c'est qu'ils uploadaient leurs vidéos. Sur. Faut pas que je le dise. Faut pas que je pointe la fin. Je vous dirai pas où c'est qu'ils uploadent leurs vidéos. Oh, faut croire qu'il faut juste en tuer deux pour avoir un item. Fait qu'allons voir l'item qu'on a reçu. Quel est cet item mystérieux? On n'est pas obligé de les faire en ordre en passant. C'est juste moi qui les fais en ordre. Je pourrais faire le dernier colossal en premier. Passer à un autre, comme qu'on pourrait voir combien de temps qu'il me donne pour le dernier. Tiens, pourquoi pas. Ce serait bien que je prenne mon cheval. Je pense que c'est le dernier, lui. Ah oui, on voit sa jupe. Oui, sa jupe. 9 minutes et demie pour faire le dernier colossal. On sait tous que ça m'a pris une demi-heure environ de tuer. Fait que c'est avec un challenge pour moi, le faire en 9 minutes 30. Mais c'est parce que je savais pas trop quoi faire, puis j'ai parlé avec sa main, avec sa tête plutôt. Et il faut peser sur le rond pour prendre un item aussi. Et c'est quoi l'item? On dirait une flèche. C'est une flèche. That is a whistling arrow. C'est une flèche, c'est ça. Je pense que ça l'attire l'attention. By using two shall be able to. Oui, tu peux-tu parler un petit peu plus vite, s'il te plaît? Ok, avert the attention of a colossus. Ah bon, fait que je vais attirer l'attention d'un colossal avec. C'est pas ça que ça faisait déjà. Ah non, qu'est-ce que je dis là? C'est distrait un colossal. Fait qu'il va regarder la flèche dans le fond. Ah! Mais c'est un peu stupide qu'il faut que tu tues tous les colossales avant de les avoir, mais je sais pas. Je trouve ça un peu stupide que t'as pas les items dans le premier playthrough. Faut juste que t'es aille après. Et en passant, mon item est automatiquement dessus, je pense. Je pense que non, faut que je l'active dans le menu. Item, il y a un nouveau menu. Oui, puis là, tu l'actives en pesant sur le X. Et maintenant que j'ai cet item-là, tu peux choisir de l'avoir ou pas. Quand tu l'as, c'est supposé faire un bruit? Ou c'est pas la bonne? Ah, c'est celle-là, ok. On a le choix quand même. C'est supposé de faire du bruit quand on lance. Mais allez, c'est juste ça. On a un nouveau item. Yeah! Moi, j'aurais aimé mieux les avoir pour la première fois. Ça aurait fait un petit peu plus de choses différentes. Est-ce que c'est celle-là par hasard? Oh non, ça c'est le premier. Celle-là. Ah oui, je reconnais ses pieds. Les pieds qui sont en boule. Ok, allons voir qu'est-ce que ça donne. Peut-être que ça va être dans une autre vidéo. Je devrais faire ça dans une autre vidéo, ok? Fait que désolé, on va faire cette colossale-là dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et bye bye! Yes!